Bonjour à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'étais absent quelques jours. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va tester, voilà, pour ceux qui disent le meilleur gardien du jeu. Voilà, Courtois, passe tard à 90 de gêne. Mais avant tout ça, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, voilà, t'abonner, c'est pas déjà fait. Et activer la petite cloche de notification pour être sur une prochaine vidéo ou mes prochains lives. Donc c'est parti, on va tester Courtois 90. C'est en sorte de player review où on se pose la question, pourquoi est-il vraiment le meilleur gardien du jeu? Personnellement, c'est lui. Voilà, personnellement, c'est lui. J'aurais pu tester Pop, mais voilà, je t'expliquerai pourquoi j'ai pas testé Pop. Donc d'abord, on va regarder sa carte. Je te montre via le marché, tout simplement parce que le mien, il est up. Donc je te montre juste la version de base, voilà, 90, avec les primes. A plus 11, voilà ce que ça donne. Pourquoi c'est l'un des meilleurs gardiens du jeu? Déjà, tout simplement, pour une seule, c'est pas tellement une caractéristique, mais c'est plutôt sa taille, voilà. Il fait 1m99, c'est déjà très grand, voilà. Ils ont dit que cette année, la taille du gardien ferait pas grand-chose, mais voilà. Tous les bons gardiens encore sur ce jeu, ben voilà, c'est la taille qui fait tout. Pop, il est très grand également. Il y a également le Olsen, il est très bon, voilà. Les petits gardiens, malheureusement, de taille, bah, sont pas très forts, malheureusement, encore cette année. Donc, Courtois, pourquoi c'est le meilleur gardien? Alors, tout simplement, comme je t'ai dit, la première raison, c'est sa taille, voilà, il n'y a pas à chercher. Sa deuxième, bah, disons que ça aide, bah, c'est son club, et où il joue, tout simplement, s'il joue au Real Madrid, donc c'est beaucoup plus simple de le mettre dans une équipe, ça, voilà, ça vaut, hein. Voilà, c'est très important également de le dire. Très facile à mettre dans une équipe. Et alors, après, bah, c'est le niveau statistique. Voilà, déjà la prime plongeon, c'est l'une des meilleures primes pour un gardien de but. Parce qu'elle améliore le plongeon, le placement, le jeu au pied et le physique. Elle améliore pas trop les réflexes, mais cette année, je trouve que c'est pas trop les réflexes qui sont les meilleures stats. C'est plutôt la stat plongeon qui est plus important. Donc, on peut regarder ses stats en détail. Voilà, avec la prime, bien sûr, ça donne ça. C'est loin d'être dégueulasse. Il a également, et qui est pas très négligeable, en vitesse, 58. Alors, pour certains, c'est pas très rapide, mais c'est moins pire que d'autres. Et vous allez voir que il y a certaines actions, il sort très très vite sur l'adversaire et la vitesse est quand même importante. Voilà, quand le gardien va venir très vite en face à face, vite fermer l'angle, et là, c'est une de ses spécialités, je trouve. Donc voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu de plus près ma carte. Voilà, celle que j'ai dans mon club qui est up à 94, voir un peu la différence. Donc voilà, les stats sont encore plus belle, hein, normal, là c'est plus 4. Je vais te montrer également après ce qu'il donne en 99. Voilà, donc ça c'est une des cartes incroyables. Voilà, il a tout au-dessus des 92. Donc c'est très très complet. 109 en plongeon, voilà. Rien à dire, hein, franchement, c'est des cartes incroyables. 88 en détente, très important également, parce qu'il fait 1m99. Ça veut dire qu'il saute aussi très haut. Donc, vu qu'il fait déjà 2 mètres, et ben plus le saut, plus la détente, il peut aller te chercher des balles très bien placées. Je parle surtout des balles en lucarne, tu verras également dans les extraits. Voilà, franchement, très belle, voilà, en vitesse 60, c'est loin d'être dégueulasse, hein, c'est quand même assez rapide pour un gardien. Et je vais te montrer maintenant ce que ça donne à 99, voilà, parce que j'ai la chance d'avoir des joueurs qui l'ont, tout simplement, en 99. Donc je vais te montrer ça, je vais en profiter. Voilà, hop. Prime plus 12, voilà, il a tout au-dessus des 100, c'est tout simplement incroyable, c'est une carte incroyable qu'il a, rien à dire, voilà, à 100, à 99 de gêne, plus 12, il a tout au-dessus des 100, voilà, il n'y a rien à dire, hein. C'est le meilleur gardien, 99 en détente, donc là, c'est encore incroyable, donc, voilà, c'était juste pour te montrer un petit peu, donc j'ai fait des matchs, à savoir, contre les gars de Mali, tout simplement, voilà, j'ai fait des matchs, comme tu vois, il est marqué patienté, voilà, j'ai que joué contre lui, donc j'ai joué contre des Courtois up à 93, up à 90 seulement, à 99, et j'ai pas trouvé nécessairement de différence, niveau gêne, voilà, c'est juste que, voilà, ça reste Courtois, le 90 a été autant ennuyant que 99, je te cache pas. Donc voilà, ça sert peut-être pas grand chose de up. Maintenant, on va regarder son prix. Fut un temps, il coûtait pas grand chose. Voilà, je l'avais acheté 4 millions quand j'ai fait mon équipe, moi. Tout simplement parce qu'il était dans le passe-tard, donc tout le monde le vendait. Là, il a augmenté à 7, mais ça reste quand même, voilà, ça reste quand même, si tu as les moyens, tu fais une Liga, et que tu cherches un gardien, voilà, c'est Courtois cette année. Donc, voilà, je vais te laisser avec le gameplay. On se retrouve juste après pour mes impressions.
se retrouve pour mes impressions. Donc, ça va être très simple, hein. Pour moi, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est le meilleur gardien du jeu. Il est tout simplement impressionnant, que ce soit sur les coups de franc. Voilà, franchement, sur les coups de franc, il est incroyable. C'est l'un des seuls gardiens à qui, voilà, c'est pas comme si je les tirais mal non plus. J'ai bien pris mon temps à chaque fois. Et puis, franchement, il les sortait très bien. Les ballons en l'air. Il va les chercher, voilà, comme tu vois en lucarne, il n'y a pas beaucoup de gardiens qui peuvent aller te les chercher en lucarne opposée comme ça, mettre la main, voilà, grâce à sa taille, à sa détente, comme je t'ai expliqué. Également, il sort très vite sur l'adversaire, j'ai même pas le temps de contrôler des fois la balle qu'il est déjà là, donc ça aussi c'est important. Il se prend jamais, mais quand je dis jamais, jamais de but au premier poteau, j'ai essayé quelques frappes, comme tu as pu le remarquer. Directement au premier poteau pour voir ce que ça donnait, ça passe pas. Voilà, même des fois si tu tentes le deuxième, il peut être là chercher avec des arrêts miraculeux. Donc voilà, franchement, si tu as les moyens, prends-le. Voilà, ça reste l'un des meilleurs gardiens du jeu. Pour moi, c'est le meilleur. Voilà, c'est juste mon avis. Bah voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu. Voilà, t'as mon espace déjà fait. Et activer la petite cloche de notification pour être averti d'une prochaine vidéo ou de mes prochains lives. Je te souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos. Merci à tous.